Donc, cette manifestation s'inscrit dans le cadre du mouvement des étudiants en médecine qui revendique une myriade de problématiques. En ce qui a trait généralement au troisième cycle qui reste n'est pas clair en l'occurrence, et également la situation socio-économique de l'étudiant en médecine, et en outre la situation qui s'aggrave avec le silence radio, qu'adoptent les deux ministères tutelles. Donc les étudiants, ils vont avoir surtout des propositions qui sont concrètes. Ils veulent des stratégies et des plans de concrétisation. Ils veulent que les deux ministères s'acharnent pour trouver des solutions, pour trouver pour trouver les propositions qui vont solutionner la situation actuelle et qui vont faire revenir les étudiants à leur place habituelle, qui sont l'amphithéâtre et les archives. Ça fait 3 semaines qu'on a ouvert un dialogue avec les deux ministères. C'était 4 réunions successives, mais à l'issue de ces 4 réunions successives, il y avait la proclamation d'un PV d'accord qui n'était pas à l'attente des étudiants, puisqu'il avait il a compris juste des promesses et non pas des plans de concrétisation et des solutions qui vont aider à solutionner cet état de crise. Donc les étudiants, ils reviennent en l'occurrence pour manifester leur indignation quant à ce PV d'accord et quant à le silence radio qu'adoptait par les deux ministres. Les prochaines étapes restent toujours floues, mais on veut travailler dans le constructif surtout. On veut proposer à les deux ministères des solutions qui vont aider à dissoudre la situation actuelle et par la suite revoir les étudiants pour qu'ils adoptent ou bien valident le PV d'accord. Par la suite, on va envisager ce qu'on va faire par la suite. Donc aujourd'hui, les étudiants en médecine et en pharmacie ont boycotté à 100% leur stage hospitalier, les cours théoriques, mais aussi les boycotts des examens. Donc c'est une première parce que ça a été assuré dans les différentes facultés publiques du Maroc, mais aussi les nouvelles facultés, notamment Guelmim, Bni Mellal et Rachidia. Donc on essaie de manifester nos revendications à travers plusieurs formes et nous sommes prêts à aller encore plus loin pour qu'ils nous prennent au sérieux. C'était prévu de faire une marche nationale, mais malheureusement les autorités l'ont interdite. Donc on s'est retrouvé encore une fois à Rabat contraint d'exprimer notre voix. Et dans l'espérance de la prise en considération de toutes nos revendications, on ne cherche pas les 95%, on cherche les 100%, parce que justement, ces 5% qui restent sont les points les plus importants dans notre dossier revendicatif, notamment la décision de la réduction du nombre d'années de 7 à 6 ans et l'augmentation du nombre d'effectifs.